qu'on se lève les mains et c'est tout. Ok? On va mettre le transparent et après on va attendre que ça sèche. C'est ça. Et après on va faire. Mettre des... Mais ah, on va faire avant, tu vas voir. Ok, alors maintenant vous avez senti toutes les huiles essentielles. Si vous voulez ressentir, vous pouvez, mais là il va falloir en choisir une. Qu'est-ce que tu voudrais mettre? Sophie. Faille refaire Juliette. Ok, alors on l'ouvre et c'est un petit bouchon spécial. Ça veut dire que ça va pas couler trop vite. Donc on va pouvoir le mettre complètement au-dessus de notre petit pot là et on compte 6 gouttes. Gratter ta peau et ça va enlever toutes les petites peaux mortes pour avoir les mains toutes douces. Ta peau est pas griffée ou quoi? Non, on le sent même pas. Ça fait pas mal, promis. Du coup, vous avez le choix pour mettre un des trois dans votre savon. Super, parfait. Alors, maintenant on arrive sur notre dernière étape. Cette étape va falloir aller assez vite. Je vais vous mettre le savon qui est très chaud. Ok? Je vais le mettre là-dedans. On mélange trois tours, trois petits tours, juste pour dire on a mélangé un peu, pas plus, sinon après il commence à durcir dedans. Et on le verse ici. Alors pour le verser, on pose le moule et on ne touche pas le moule. On verse que comme ça, parce que si on met les doigts ici, bah on risque de se remettre sur les doigts et de se brûler. Ok? Avec mon savon, elle nous a donné un autocollant. Comment t'as fait ton savon? J'ai mis l'odeur de rose. Parfum de rose. Parfum de rose. Et j'ai mis des pétales de rose. Et après t'as fait quoi? Ici.
et à la fin, et on a aussi fait un petit papier cadeau. Bien. Oui.